et ça fonctionne. Ah, c'est pareil, c'est le même problème que qu'avec l'autre jeu. Il capture pas toute la... Enfin, il capture tout le... Ouais, il capture tout le truc, mais j'ai des bandes. Ah non, c'est bon. Ah, c'est parfait, nickel. Il fait nuit, c'est relou. Alors, la construction du jeu, c'est de la merde. 100% de la grosse merde. C'est clair et net, je te le dis carrément. C'est une grille. Bon, t'as la liberté de pouvoir faire un plafond ou sans forcément mettre des murs, ok. Mais c'est de la merde. Parce que tes pales, ils ont une hauteur. Ceux-là, ils sont moyens. T'as des plus grands. Donc tes murs, tu dois les faire super haut. Oublie, fais pas de mur, fais pas de plafond, tu fais une dalle et t'es content. Alors, j'ai fait ma première base. Ma première base, elle était ici. Je me suis fait attaquer, je me suis fait raid par des pales qui existent seulement vers là. Il y a un volcan. Ce fils de pute, il est resté bloqué entre le mur et la statue qui est ici. Il s'est mis à attaquer avec des attaques de feu sur le mur en bois. Le mur en bois a brûlé. Et il a fait brûler un mur à côté et un mur à côté. Et ça s'est répandu et toute la maison s'est effondrée. Je suis venu m'installer ici, j'ai fait de la pierre. Voilà. C'est clair et net. Hein. Ça, c'est drôle. C'est marrant, mais c'est très très chiant quand tu... Oh putain, quand tu te fais raid, hein, et que des bâtards viennent tout détruire. Mais bon, j'ai trouvé la technique après, en fait. En fait, quand c'était en train de brûler, j'étais paniqué, j'étais bloqué, je savais plus quoi faire. Tiens, tu vois, ça c'est un bug récurrent. Hein. Je suis dans le loup, merci de monter sur le loup, voilà. Et du coup, j'étais là comme un con, je suis figé, je vois tout qui brûle, tout qui cache, je sais pas comment réagir. Je me dis, c'est quoi, il faut un pal haut pour arrêter quoi, pour faire quoi. Et là, tout s'effondre. Du coup, à un moment, j'ai fait une fondation en bois pour parce que toutes mes ressources, elles étaient par terre. Fallait que je remette tout dans des coffres. Dès que tu prends des trucs, t'as plus de poids, t'es blindé, t'es fini, tu bloques, tu bouges plus, t'es kéblo. C'est un enfer. Et du coup, j'avais mis des fondations en bois et puis ça a recommencé. Un autre raid. Et puis là, il a brûlé la fondation. J'ai détruit la fondation avant qu'elle brûle tout. La technique, c'est ça. T'as un mur qui brûle, tu le détruis. Ça fait tomber des trucs au-dessus, c'est pas grave. C'est ça où toute ta base, elle y passe. Tiens, regarde le bug, là. Tiens, ça, c'est le rocher. Ça, c'est un rocher, tu vois, ça, c'est un rocher. Il y a de l'herbe dessus, oui, mais ça, c'est un rocher, tu vois. Et ça, c'est le sol du jeu. J'avais fait des murs ici, pour attaquer, la porte était là et tout. Il faisait tout le tour et il passait à travers la palissade. Il passait pas par la porte. Parce qu'il y avait le trait de merde là. Et voilà, le trait là, la jointure là, ça fout la merde. Voilà, t'as des pales, ils restent bloqués et tout, c'est très chiant. Et ensuite, il y a aussi ça qui est très chiant. Alors, ici... ça comme ça. Ici, là, voilà, ils ont plusieurs trucs, ils peuvent faire plusieurs trucs, t'en as qui sont spé dans un seul truc, ok. Tu prends le singe, là, il peut faire plusieurs trucs, il peut semer, hein, il peut faire de la semence, travaux manuels, abattage, tout ça. Le problème, tu le prends, tu le fous devant un arbre, il va couper l'arbre, mais à un moment, il va partir manger, ou il va partir faire une sieste, ou il va partir se baigner dans les sources d'eau chaude, là, pour éviter d'être dépressif. Et puis, il va repartir travailler. Mais il va pas repartir là où tu l'as mis. Il va partir là où bon lui semble. Donc, quand tu as envie de crafter des trucs précis, eh ben, tu es soit obligé de trouver un pal qui a une compétence précise. Tu prends qui, putain, ils ont tous des masses compétences. Il y en a un qui en avait que une, là. Lui, voilà, lui, il en a qu'une. Tu prends un pal comme ça et t'es sûr qu'il va te faire que les travaux manuels qu'il y a à faire dans la base. Tu peux en prendre, il se paye que arrosage et machin. Mais c'est relou. Parce que t'as pas forcément envie de prendre cela.
T'aimerais bien en avoir un qui fait plein de trucs et tu prends lui là, il fait plein de trucs. Hein, t'aimerais bien avoir un mec qui fait plein de trucs, mais qui se focus bah, des fois sur un seul truc, quoi. Et qu'il arrête de bouger partout. Qu'il arrête de se dire, tiens, je vais arrêter de miner, je vais aller couper du bois, quoi. Donc ça, c'est chiant de pas pouvoir leur dire, tu fais ça, tu restes là-dessus. Ouais, le bulle, c'est de la poids. Non, le bulle, c'est de la merde. Tu fais un truc comme ça à l'arrache, t'es pas là pour le build. En fait, t'es là pour capturer les machins. Si tu veux t'amuser à les faire évoluer, vas-y, c'est parti. T'es là pour découvrir toute la map, pour faire l'histoire, pour taper. Oui, mais le build, non. En fait, une fois que t'as fini le jeu, tu restes pas. Tu restes pas. Tu kiffes l'univers des pales, ok, tu peux rester pour ça, voilà, mais pour le build, tu ne resteras jamais. Sauf si il corrige des trucs plus tard, mais pour l'instant, c'est pas pour le build que je reste sur le jeu. Ah, ça y est, ils ont fait les balles. Oh putain, yes. Oh yes, j'ai les balles. J'ai des balles. J'ai des balles et des pales. Putain, ça pèse pas si lourd. Qu'est-ce que je voulais faire ouais. Là, ça en est où? C'est fini. C'est pas beaucoup, hein. Il a faim. Il y en a pas qui ont des problèmes, là. Parce que comme le serveur, il vit tout le temps. Nous, des fois, on se reconnecte. Les trucs, ils sont tous blessés. Ils ont tous des problèmes. Non, là, j'ai plus de problème. En fait, j'ai tout réagencé, j'avais tout foutu ici, ils avaient mis des murs, des machins, et ils avaient des problèmes, ils se bloquaient, ils tombaient malades, et trop relou. Souvent parce qu'ils mouraient de faim, ou tout un truc comme ça. Ils peuvent avoir des fractures aussi, parce que les attaques, les raids, là, ça fait en sorte que bah, ils se tapent, et puis c'est la merde, ils peuvent avoir des fractures. Mais potentiellement, ils ont des fractures s'ils ont du mal à se défendre. C'est-à-dire que si le truc il est bloqué là, en train de se faire tabasser, forcément il a une fracture. Alors que s'ils sont tous réunis, qu'ils peuvent tous bouger d'un coup et tous attaquer les mecs en même temps, ils défoncent tout en deux secondes. Parce que t'en as plein, ils attaquent tous en même temps, t'en as qui font des attaques de zone. Tiens, regarde, hop. La base de mon pote à côté. Alors ça bosse ou quoi? Ils ont encore fait de la pierre. Ouais, faudrait qu'ils mettent des trucs sur la pierre pour pas qu'ils repop. Comme ça ils font que le minerai de métal. Ah, ça, un minerai de métal, là. Ouais, là, partout. Là. La cage a repopé. Ah ouais, ça a repopé. Il y a quoi dedans? Oh, c'est quoi ce truc? Oh! Ah, dinguerie, c'est quoi ce truc? Ah, oh, il est pas dans la cage, lui, par contre. Oh putain. Oh, il est HL. Je vais en chier. Je suis même pas sûr de pouvoir le choper. C'est tellement long à recharger. Putain, t'as pas fini de recharger? T'as pas intérêt à arrêter ton tir? Non, le tue pas! Je peux pas finir à l'arc, j'ai pas l'arc. Oh merde. Bah tant pis. Je veux pas le rater lui. Je sors la grosse, hein. La grosse artillerie, hein. Vas-y, bâtard. Va voir ta faiblir à la hache. Wow, il a sorti des enfers. Allez, vas-y. Non, je l'ai pas eu. Oh, il a sorti des enfers.
Ah là, j'ai maniqué quoi. Ah, droite ou gauche, tu choisis quoi? T'es mort. Oh, il va plus être là. Oh, il est tellement, je m'en doutais, il est tellement HL le truc. Putain, il est là. Ah, oh, j'ai pas de sphère sur moi, ils sont là-bas. Il me fait rien. Ah, tu sors ce sort toi aussi. C'est de la merde ce sort, putain. Ouah. Je le veux. Je le veux, putain. Je le veux. Ah si, j'ai l'arc. Ah, putain, j'ai encore l'arc. Attends, viens ici. Elle est où ta vie? Je la vois pas. Ouais, c'est bon. Tiens. Allez, vas-y, allez. Passe, bâtard. Oh oui. Oh, je veux voir ce qu'il a. Pourquoi tu bugs, toi, cours? Ah, il y a un truc drôle aussi. Tout à l'heure, j'ai eu mon mousquet et tout. Je suis content. Je teste. Je me mets comme ça. Je vise. Je tire. Il détruit pas la porte. Elle était ouverte. Hein. Voilà comment le jeu est codé. Là, pour le jeu, si tu tires, la porte elle est fermée. Et il me la hausse en plus. Je fais... Ah, ok, cool. À chaque fois, je tombe de douche. Alors, il est où le pote là? C'est lui? Ouah, il transporte niveau 3. Ah ouais, si je veux vraiment qu'il y ait que du transport, le truc il fait que du transport. Oh, il est violent, oh, je le veux sur moi. Alors lui il me sert à miner. Bah lui en fait, je vais te dire, je m'en bats les couilles. Ouais, mais lui. En fait, j'ai lui pour monter, voler, donc lui me sert à rien. Lui me sert pour déplacer vite. Lui me sert pour monter les montagnes. Et c'est lui qui tape, parce qu'il fait tellement mal. Et ça... Là, tu te dis, putain, il a un sanglier tout naze. Tu vois, le sanglier tout naze, à quoi il sert? Putain, reviens ici, toi. Alors, le minerai de métal, ça se passe comme ça. T'arrives, tu tapes avec ta pioche et bah vas-y. Encore, je suis désolé, il y a des pingouins qui me filent un coup de main. Qu'est-ce que c'est long! Allez, viens avec moi, on va tester ça dans une zone où on est sûr d'en trouver des tout neufs. Hop, ici. À la maison numéro 2. Là où j'ai mes tortues qui bossent. Ils sont pas buggés, c'est bon. Parfait. Il y en a pas qui ont des crèves de la dalle ou non, c'est bon, ils sont pas buggés. Non. Non. Donc là, tu sors ton porc. Non, avec ton porc. Et puis là, ton porc, tu lui dis de faire une attaque à ruée mortelle. Et là. 19. Chope 19 minerais. D'un coup. Ah, j'arrive, je fais hop, pouf. Bon, c'est un peu incontrôlable. Donc s'il y a des mobs autour, c'est dangereux parce que tu peux les attaquer. Pouf. Voilà. En 4 coups, il n'y a plus de cailloux. Appuie la pierre. Voilà. A fini la pierre de métal. Appuie. Et moi j'ai chopé ma minerai en 4 coups. Au lieu de me faire chier avec la pioche. Du coup voilà pourquoi j'ai ce truc sur moi. Vous avez fait du taf de fou pendant que AFK tout ça Ouh, ils ont bossé comme des acharnés. Oh la dinguerie. Bon ça arrive pas normalement parce que quand tu fais une partie... Tu lances une partie sur ton PC, tout machin,
Tu te déconnectes, il se passe rien en fait. Tout est à l'arrêt. Nous, c'est parce que c'est un serveur privé. Après, peut-être que... J'ai pas testé de faire une partie, mais normalement, tout est à l'arrêt. Mais ils peuvent faire en sorte que les pals, ils fassent des trucs le soir. Mais du coup, t'as quand même des raids. V-Rising, c'est comme ça. Les forges, elles marchent pas dans V-Rising, quand t'es déconnecté. Mais les serviteurs, qui prennent 24 heures pour faire pour aller chercher des loot, le temps, il passe quand t'es déconnecté. Avant, ils le faisaient pas sur V-Rising. Donc je pense que c'est possible aussi sur ce jeu. Après, j'ai pas lancé une game tout seul, machin, tout ça, j'ai pas testé. Mais je pense qu'ils font rien. Vu comment le jeu est codé, je pense que c'est sûr qu'ils font rien. Oh, la poudre, elle est finie. Bon, j'en ai déjà plein des balles, je pense que je vais garder la poudre pour plus d'autres balles, mieux, plus tard. Oh, 10h22 qui reste. Non, pas ici. Si. Non, c'est pas ici. Putain, c'est quoi ça? Waouh! Il va me falloir un deuxième coffre. Hein. C'est la merde. J'aurai jamais le temps de tirer 400 balles avec un mousquet qui tire une balle toutes les 1 minute. Ça, c'est clair et net. D'ailleurs, tu l'as mis où? Ah, tu m'as équipé l'arc. Okay. Bon, heureusement, j'ai pu finir le piaf avec. Enfin, l'entamer avec ça. Avec l'arc. Ça m'a sauvé le cul. Bon, après sur le jeu, il y a. J'ai envie de pisser, il y a plein de téléporteurs. De ta base, tu peux te téléporter et du coup. Tu vas où tu veux. Après, il y a plein de téléporteurs. Ici, j'en ai pas trouvé un seul. Il y en a un là. Mais là, j'en ai pas trouvé un seul. Bon, j'ai envie de pisser de fou là. Je vous laisse en compagnie du paysage. Et puis un arbre géant là, je sais pas si on peut y aller. Là, la zone montagneuse, c'est un biome neige. Où on peut aller normalement. Là-bas aussi, il y a un petit biome neige, on peut aller. Biome désertique ici là. Il faut une combinaison pour la chaleur. Donc un truc qui te refroidit. Il a plus d'endurance, il tombe. Oh, je tombais sur un arbre. Putain, faire double saut, c'est relou. C'est un petit, c'est quoi? Encore l'autre fois il était vert, du coup les œufs ils changent pas. Tant que tu le ramasses pas, ils bougent pas, ils changent pas. Oh, c'est quoi ce trait bleu là? C'est la fin de la map? Chelou. Bon, j'ai pissé, je reviens.
il est encore en l'air le truc. Oh, il vole longtemps. Mais elle descend, ça barre. J'ai pas l'impression qu'elle descend, voilà, elle descend vraiment très peu quoi. Putain, il peut voler tellement longtemps le truc, c'est une dinguerie. Parce que t'as le piaf là juste avant, il vole pas longtemps quoi. Wouhou! Lâche, lâche. C'est comme ça qu'il s'aime, lui. Voilà. Après, moi, le jeu, je l'aime bien. J'aime bien le concept, j'aime bien le délire. Mais c'est vrai que la construction qui est nulle à chier, voire buggée, ça me fait chier. C'est pour ça que j'ai pris l'autre jeu en fait, parce que quand j'ai vu le build de l'autre jeu, j'ai fait ah ouais, laisse tomber. J'en peux plus là, je veux un truc de build qui vaut le coup. Parce que même Son of the Forest me fait chier avec sa grille de merde. Et j'ai pas envie de le prendre lui. Oh, ils ont plus à manger, celui-là ici. Pas un raid, mais fais chier! Oh, elle est relou quoi! À chaque fois que je viens ici, c'est un putain de raid dans la gueule! Tiens! Allez, à dans 30 secondes! Ouais, j'en ai eu un, du coup! Oh, des médocs! Oh, oh, oh! Mais moi je trouve que le jeu est trop cher pour ce que c'est. Même avec une réduction de 10%, il est trop cher pour ce que c'est. Même si c'est une early machin. Pour une early full buggée comme ça, c'est 20 balles ça. Et encore, ça ferait mal au cul. Ça ferait mal au cul. De merde là. Tiens, tu prends ça. Je vais aller passer la nuit. La nuit n'est pas tombée encore. On va en bas à gauche là. Je sais pas où la mettre celle-là. On la soulève ici. J'ai pas de bouffe. C'est pratique, hein, tous les TP là. C'est tout ce qu'il y a. Oh, mais, hey.
Non mais, hé, il est relou ce jeu. D'autres bouffes, ouais. Bien trouver des trucs sur la route.